Bonsoir Twitch, bonjour YouTube évidemment pour un nouvel épisode. Je suis quasiment niveau 21 d'ailleurs. Du coup on est dans la pyramide de je sais pas qui, parce qu'il fallait qu'on l'explore, de Mykerinos. Parce qu'il y a des trésors pour une quête et puis évidemment il y a la stèle. Du coup voilà. Hop. Attendez, je me remets bien, puis on est parti du coup pour explorer cette pyramide pour commencer ce streaming. On était sur le plateau de Gizeh, hein. Du coup, hop. Du coup, il fallait qu'on explore la pyramide. On avait. Bon, il faut retrouver les objets volés et ben, il doit y avoir la stèle encore une fois, donc. C'est ce qu'on va s'efforcer de faire. Et on va faire attention à ces connards de serpents aussi. Ça change pas. Parce que les serpents, ça m'effraie, voilà. Du coup, nous allons faire un peu gaffe. Surtout dans les gros vases comme ça, qu'il n'y en ait pas un qui traîne là. Parce que ça, c'est un peu le seul truc qui m'effraie. Ils en ont foutu dans Assassin's Creed d'origine des serpents, c'est vraiment chiant. Pardonne-moi, grand Amon. Oui, bah y'en a, on les a entendus. Y'en a. Pas des coffres là. C'est vrai qu'on est en train de voler des trucs dans la pyramide au final. Putain, quel bordel. Ah bah. On a dû trouver pour la quête. C'est notre pyramide. Eh, hey, tu sais manier le gourde. Combien êtes-vous ici? Rien que mon frère, ma sœur et moi. Ne leur fais pas de mal. Le responsable, c'est moi. Je veux les notes volées aux géographes grecs que vous avez assommés. Et je veux mon argent. On a tout donné aux brigands qui sont dans les collines, à l'ouest des tombeaux des Miounou. Ils nous ont pris Anta, et ne nous la rendront que si on vole pour eux. Qui est Anta? Notre protectrice. On était sur la route de Memphis quand ils l'ont emmenée. Si on ne fait pas ce qu'ils demandent, ils vont la tuer. Des brigands qui exploitent des enfants. N'est que diadète. Rassemble ton frère et ta sœur et cachez-vous. Je vais vous ramener Anta. Tu as ma parole. Mais c'est qui Anta? Les brigands campent dans les collines, à l'ouest des tombeaux des Miounou. Anta doit être là-bas. Ouais, attends frérot, parce que déjà, moi je cherche la... Je pars pas sans la stèle, hein, évidemment. Du coup, faut encore que j'explore cette pyramide de con. On est passé en haut ou en bas tout à l'heure? On est passé en haut, non? Putain, je suis perdu, moi. Parce que là, c'est la sortie, du coup, mais... Elle est où, ma stèle de con, là? Bon, il est mort, là, le serpent. Pardon. Tu pourras nous ramener en bas. Les brigands campent dans les collines, à l'ouest des tombeaux des Miounou. En bas doit être là-bas. Est-ce qu'il est le... C'est peut-être pas la même entrée, quoique sinon il doit y avoir qu'une entrée. Au moins que ce soit vraiment que l'entrée pour la quête. Il doit pas y avoir 50 entrées, non? C'est la plus petite tombeuse de pyramide, me dites pas que je vais galérer à trouver le truc devant quand même. J'ai dû rater un passage. Quoique non, c'est le même endroit où on était, non? Il y a peut-être un truc dissimulé que j'ai pas vu. Est-ce que là, ok, c'est pour remonter, on s'en fout. Là, il y a le gamin. Sinon, c'est qu'il y a une autre entrée dans la pyramide, ce qui n'est pas impossible. Cette fille, comment ça te fait, Fiu?
Il y a peut-être une autre entrée, c'est pas impossible. Parce que là, vous jouez, j'avoue que je sais pas là. Bizarre. Ah ouais, mais il y a des trucs plus hauts. Il y a peut-être une autre entrée. Hein. Une autre entrée ou vraiment un truc au plafond que j'ai pas vu. Ah bah tiens. En effet, juste aveugle man. Hop. Attends, j'ai besoin de mon arc. Putain, j'étais pas avec le bon item. Putain, il m'a fait trop peur. Saleté. Putain, qui a foutu un serpent là, qu'on retrouve le développeur qui a fait ça. Non mais c'est pas possible. Putain, il m'a fait trop peur le serpent. Je déteste ça. Je vous jure que ça m'effraie même sur le jeu. Terrifiant. Vilaine bête. Hop, du coup la stèle. Et puis là on a la sortie. Sortez-moi de cet enfer. Foutu serpent de merde. Hop. Du coup ils s'en abat les brigands. Bon je ferai peut-être la dernière un de ces quatre. Je vais pas la faire là. Puis après oui il faut toujours qu'on fasse la quête principale hein. On n'est pas là pour on n'est pas là pour faire du tourisme. Même si c'était une belle visite. Mais on n'est pas là pour faire du tourisme à la base hein. Évidemment, je pense que vous en doutez, mais on n'est pas vraiment là pour faire du tourisme. On va mettre le jour. Hein. Encore un peu. Merde. Encore un peu, mon collègue. C'est quand même plus beau de jour. On remet le matin, puis on va aller vers les bandits là. Putain, y'en a pas. Donne-moi ta peau. Puis au moins dans le désert, y a pas de serpent pourri là. Putain, le serpent de connard au-dessus de la planche là. Fabrication disponible, ça on prend. Augmente la santé, hop. Nickel. Je suis en train de tout détruire. Terrifiant. Ah, il y a peut-être un cercle de pierre là-bas. L'aigle, il y a peut-être un cercle de pierre. Bizarre parce que ça colle avec la mission. Ce serait bizarre, non? C'est le campement où est retenu Anta. Les enfants. Il est où le truc? Alors les notes de Cortés. Oui, que ce soit les hauteurs, c'est pas impossible. Aucune trace des notes ni d'Anta. Il est où ce point clignotant là? Pourquoi il y a un point d'interrogation comme ça? Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir encore? Ok, c'est un lieu, c'est juste un lieu spécial à mon avis. Dans le doute, on va sortir notre épée, hein.
Attends, il y a vraiment les types là. J'avoue que j'avais même pas vu qu'il y avait des types. Tout ceci est bien mystérieux. Anciennes là-dedans. D'accord. Niveau 21. Je sais toujours pas c'est qui ou quoi en état, mais. C'est celui-là. Nom de Dieu. Mais monsieur, mais calmez-vous, bon Dieu. Tu es fini. Par ici. Ah, c'est l'autre qui a pris. Il commence à m'énerver. Toi tu fermes ta gueule, t'as pas de protection. Oh merde, le feu c'est pas bon par contre. Ah, je vais me crever. C'était peut-être pas nécessaire ça. Taper dans le truc qu'il fallait pas, merde. Je sais pas si on peut faire des roulades pour peut-être couper le feu. Je sais pas si on peut faire des roulades. Si on peut y aller un peu plus discrètement, c'est pas plus mal non plus en vrai. J'avoue que je sais pas du tout si on peut faire des roulades. Pas des touches pour le faire, non. Parce que c'est vrai que quand il n'y a pas d'eau, on est un peu dans la merde. Au moins cette fois-ci, il ne donnera pas l'alerte, lui. On va essayer d'y aller un peu plus discret. Discret, mais tout le monde me voit, donc ouais. Discret, mais j'aime trop la déglingue, donc c'est parti, on déglingue. Attention, comme moi j'y aille pas sur le feu. Putain, il s'est battu pour mourir lui, dis donc. Oui, une stèle et puis une stèle et puis du coup la mission. Il y a un type là-bas, il y a un type là aussi.
Un coffre. Tu m'as vu vraiment? Taisez-vous, monsieur, enfin. Là, c'est qui monte, j'ai vu, il y a un passage dans l'eau, hein. Ne vous inquiétez pas, mais à mon avis c'est... Enfin, il y a un des deux passages à la suite. Ah bah c'est ça le... C'est ça qu'on cherche à mon avis. Le clébard. Évidemment. C'est toi Anta, leur protectrice. Tu sauras retrouver ton chemin. Allez ma fille. Est-ce que c'est par là la suite ? Tout à fait possible. Alors Anta, toi aussi tu es une protectrice. Possible que ça soit là-haut, hein. Mais j'avais l'impression qu'il y avait un passage sous l'eau, c'était bizarre. Excité, hein. Quoi, attendez, on va charger ça là, on se croirait dans un Tomb Raider. Tu vas bientôt les revoir. On va charger. On ramène le toutou. Ouais, ils ne font pas faire ça pour rien, mais j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une espèce de passage sous l'eau là. C'est ce qui m'étonne le plus. Bon, 4 ça devrait suffire, je pèse pas une tonne non plus, non? Ah, mais c'était peut-être là-haut le passage plutôt, non? Parce qu'il y a un truc là-haut aussi là. Pas du tout là. On n'est pas énervé. Ah si, elle est là, la truc, j'ai un dé. Je sais pas ce qu'il y avait de l'autre côté du coup. Du coup non, on n'est pas énervé, il y a ce qu'on cherchait. C'est gentil. De vieilles écritures. Nickel. Lame lourde aussi. Ok. Il y a plein de coffres là, dis donc. Délicieux. Bon, il est où le toutou là? Il me suit ou bonjour, non, je crois pas, il faut que j'y aille. Hein. Je crois qu'il faut que j'y aille, mes amis. Moi-même. D'où le toutou là. Bon, de toute façon, on a fait le ménage, donc tout va bien. Comme ça. Il avance le clébard. Je vous avais dit de rester caché. Je sais, mais c'est arrivé par notre faute. Et on s'est dit que tu pourrais avoir besoin d'aide. Le cavalier est beaucoup, beaucoup plus grand que toi. Le cavalier? Quoi? Tu l'as pas vu? C'est le plus méchant de tous. Grand et fort. C'est lui qui a emmené Anta. Hmm.
Il a les notes de Cortezeos. Il doit s'en servir pour trouver des trésors. Je l'ai aperçu dans les ruines, près de la pyramide de Khéops. Je vais m'occuper de ce cavalier. Vous feriez mieux partir. Tout de suite. Je devrais regarder du côté des pyramides. Vous pouvez enfin retrouver ces notes. Elle est longue, cette quête, donc. Dois-je attendre que ce cavalier revienne dans sa grotte cette nuit? Ou dois-je l'affronter alors qu'il terrorise Gizeh? La déglingue, hein. Oh, on va aller chercher, on va pas se casser la tête, hein. Qu'est-ce que ça me montre là? L'entrée de la pyramide peut-être? Est-ce que ça m'a montré la fleur? Ou là où c'est l'entrée derrière? Ah oui, c'est l'entrée hein. C'est quoi là ce lieu là? Ah bah. On fait partie des morts. Quoi, il y a vraiment une quête ici. Ok, il y a une déglingue. Avalé par une hyène. Je n'en sortirai jamais. Super. Et super, faut que je retourne là-bas. Bah donc ils aiment bien me faire voyager dans un jeu de con. Bon attendez, on ira après, j'avais oublié cette quête. Ouais, bon en vrai c'est des quêtes qui rapportent quand même pas mal d'XP, donc on va pas s'en plaindre. Ah mais il est repassé de l'autre côté, l'autre con. Oh. Bon dieu, ils vont me faire voyager. En vrai, le plus simple, c'est peut-être que je m'occupe déjà de la hyène. Et après, je me RTP sur la pyramide, en vrai, hein, je crois. Hop. On va aller casser la gueule de la hyène. Je me RTPerai en haut, comme ça. Ouais, il est près de la petite c'est près de la petite pyramide. J'ai vu qu'une poule est vraiment seule là. Toujours en bande ces choses là, non? Non, là, elle est vraiment seule. Ah, enfin. La bague recherchée par Roba, Nepti et Rachidi. Il est temps d'en finir. Ok, faut que je la ramène où la bague? Ok, là-bas. Ok, bon, je me retépé là-bas, je casse la gueule de l'autre, et on finit les deux missions. Et après, on continue le principal. Alors, il est où le clown là? Il est où l'autre clown? Ok, là-bas.
C'est artistique là ce que je suis en train de faire. Mon dieu. Où est le mec? Ah bah, il y a qu'un mec, un cheval donc. Laissez-moi appeler mon chameau de combat. Mon chameau de combat et puis. C'est y part. Allons-y. Puis après je finis deux quêtes et puis on va rendre les deux quêtes et puis c'est bon. Arrêtez, nom de Dieu. Allez, on va rendre ça. Mon Dieu, que c'était long, ces quêtes. Allez, hop. Ça fait beaucoup d'XP, c'est bien. Peut-être qu'on peut même passer niveau 22, peut-être, je sais pas. Ah, c'est peut-être un peu ambitieux, mais niveau 21, c'est déjà pas mal. Ça me... On peut faire les deux prochaines cibles, donc c'est déjà pas si mal en vrai. C'est déjà pas si mal. Bonne nouvelle. Tiens, voilà tes trucs, toi. Ok, 3500 d'XP, cool. Ah non, ça a quand même bien monté. Non, il y a peut-être moyen. On va peut-être... Ouais, on va pas y être tout à fait, mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'XP, c'est pas mal. Bon, on va aller rendre l'autre quête, là, des gamins, là. Pas des gamins, mais de ça, là. La bague. Puis après, on est libre. Il y aura peut-être 2-3 quêtes qui vont repop, mais quoique non, ouais, dans ce coin-là, ça va les quêtes. À moins qu'il me redonne un truc là, après ça, mais on sera libre sur le plateau. Je pourrais faire la quête principale. On aura fait notre petite escapade touristique. Voilà, obtenez votre bague de con là. De mauvaises nouvelles. Tu as perdu. Votre pote s'est fait bouffer, mais j'ai la bague. Donne-la-moi, mon Medjay, allez. Ces hommes sont alors, des ce sera lui. Il est temps que je me mette en route, frère. N'es-tu pas triste? C'est bon, hein. Je pense que peu importe à qui on la donne. Hein. Mais juste un coup de souris. Bravo à celui qui l'a eu. J'en ai rien à faire. C'est pas mon histoire. On n'est pas là pour ça. Est-ce qu'on peut faire la quête principale? Merde. Ouais, nous on vise évidemment la hyène. Hein. La hyène. Et donc le contact d'Apollo de Russe. Continue notre enquête. Je veux débusquer la hyène. Je dois aller parler à Meren, l'homme d'Apollodorus. C'est un négociant qui se trouve quelque part sur ce marché. Bah, de l'autre côté de ce mur, apparemment. Bonjour, mon brave. Bienvenue chez Meren, voyageur. Alors, qu'en penses-tu?
Magnifique. Rien. Alors va-t'en. Ah, mais je n'ai pas fini. Que veux-tu dire? Je n'ai rien d'autre à te montrer. Mais tu as des choses à me dire. Au sujet de la hyène. Ah, c'est drôle. Il se trouve que c'est l'article le plus cher de tout mon stock. Oui, très drôle. Et tu devras payer comptant. Pardon? Tu as assez d'argent pour qu'on fasse affaire? Tiens, espèce de rapace. Maintenant, qu'as-tu à me dire? La hyène, ce n'est pas son vrai nom. Bon, d'accord. Ce n'était pas très drôle, je le reconnais. Où est-ce que je peux la trouver? Son nom, c'est Calicette. Tu vas m'aider. Des clients m'ont pris mon cheval à la suite d'un différend. Ils campent dans une carrière au sud d'ici. Prends mes hommes, récupère mon cheval, et je te donnerai ce que tu cherches. Je me demande bien pourquoi Apollodorus t'apprécie. On dit donc le vieux... La gueule de qui, là? Où est mon canasson? Allez, bougez-vous le fiac, vous, là. On n'a pas que ça à faire. C'est sur cette route, ouais. On va aller chercher son cheval, hein. Attendez, parce qu'il y a lui qui se balade... Arrête d'embêter les gens. Hop, merci pour la peau. Merde, où va mon canasson? Il est agile, mon bestiau, dis donc. Alors, ils sont ces cons. On est censé avoir les hommes avec lui, donc les hommes avec nous, donc bon. Allons-y en mode déglingue, hein. C'est efficace hein, quand on donne des gros coups d'épée à cheval là. Laissez mon chameau. Mon dromadaire, je sais toujours pas c'est quoi en fait, mais... Avec la selle on voit pas grand chose, mais... Laissez ma bête. Tu te calmes. Abattez cet homme. Coffre et un mec. Et puis voler le cheval du coup. Bon par contre je sais pas où qu'ils sont les alliés qui étaient censés m'aider, mais j'ai l'impression qu'ils se touchent hein. Je vais pas les insulter mais bon un petit peu quand même quoi.
Heureusement qu'on comptait pas sur eux, hein. Qu'il y a une descente là, où est le coffre, le con, hein. Ils vont être vraiment dans l'espèce de descente, là. Probablement. Parce que là, je vois pas le capitaine, hein. Je vois pas le coffre et je vois pas le mec. Donc c'est super. Hop là, coup de bouclier dans ta gueule. Elle était où la descente là? Ça allait rien faire du tout, je crois. C'est bien ce que je me disais. Attendez, elle est où cette descente là? Ah, c'est là. Ah, mais ils sont avec moi, eux. J'ose imaginer qu'il y a le coffre. Et puis le mec. Là-bas. Il doit bien y avoir le capitaine là, non? Mais genre ce roux là, bon Dieu, ça peut être tout par là. Le capitaine, j'imagine. Voilà, flashbang comprend par contre quand on repasse. Ok, il est là. Il est à la sortie en fait. C'est pour une flashbang qu'on switch avec l'aigle. Il est dehors le type. On va prendre le canasson, on va lui casser la gueule et puis c'est bon. On va aller rendre le canasson. Être le cheval de Mered. Il a omis de me dire que ses clients étaient des brigands. Attends. Ouf. Il m'a arrêté le type. Toi tu vas crever. Et mec, monte pas avec moi, qui t'a permis? Prends ton cheval. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Attendez les gars, j'arrive juste dans
30 secondes littéralement, et puis on va me bloquer dans son chat. Et bon Dieu, mais il est où cet ahuri ? Pourquoi mon personnage est avancé tout seul ? Où est-ce que je suis ? Mais où est mon cheval ? Qu'est-ce que c'est que ce foutoir encore ? Bon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Merci, c'est gentil pour le taxi. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? Mais va pas dans l'eau, mon Dieu. Je l'avais demandé de suivre la route pourtant, non ? Pourquoi il a pas suivi la route ? Mais qui c'est tout ça là? On peut pas être tranquille deux minutes? Laissez les braves gens tranquilles dans leur marché, merde! Nom de Dieu! Battez-vous! Arrêtez, bon Dieu! Je sais pas d'où sortent ceux-là en vrai. Je sais pas si c'est des bandits qui m'ont poursuivi ou si c'est voulu. Tuez-le, merde. Pas possible ça. On peut pas être tranquille deux secondes. T'en es bien. T'es juste là en plus. Je suis pas bon là. Oh. C'est bon, il a pas besoin d'être crénoté votre bordel là. Là c'est bon monsieur, oui c'est bon. J'avais oublié de dire que c'était des brigands qui l'avaient. Et qui m'ont poursuivi.
Bien. Plus fort que le mien. Je croyais qu'il t'appartenait. Oui, 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 bien entendu. Tu m'as rendu un fier service, mon ami. À toi de remplir ta part du marché. Je n'ai qu'une parole. Mais j'ai encore une chose à te demander. Ah, j'en ai assez de tes jeux. D'accord. La hyène vit dans une caverne, derrière ses hauteurs. Nuit et jour, elle arpente le désert en quête de silice, les précieuses larmes des dieux. Mieux vaut ne pas raconter ce qui est arrivé à ceux qui ont tenté de s'interposer. Je découvre que tu te moques de moi. Ce ne sont pas mes paroles qui vont te blesser. Je ne dis que la vérité. Je n'ai aucune raison de te défier. Et tâche de rester en vie. Il est louche, lui, hein. Cet homme est louche. Ok, bon, c'est là-bas, du coup. Dans les hauteurs de l'ouest des pyramides. Ok. C'est mon cheval. On ne peut pas voler ce qu'il a déjà été, Mered. Oui, oui, Bayek. Je t'en prie, ramène le cheval à l'écurie pour moi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Oh bah c'était même pas voulu, en vrai je savais pas que c'était pas le mien, je croyais que c'était... Ouais j'ai pris la première monture. Hop. On s'en fout en vrai, c'est un cheval, il va pas m'emmerder lui. Je sais même pas qu'il a cette phrase, c'est rigolo. Bon, du coup on va aller s'occuper de l'autre. On va aller s'occuper de l'autre, mais peut-être qu'on ira pour le prochain épisode en vrai, pour vous YouTube. Parce que là on va arriver... On va arriver sur la fin de l'épisode. Du coup, je pense que ça sera la prochaine fois. Bah écoutez, du coup, YouTube, merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Évidemment, sur Twitch, on continue quoi qu'il arrive. Mais voilà, voilà. Du coup, merci à vous, YouTube. Et rendez-vous prochain épisode pour l'affrontement avec, avec cette madame. Voilà, voilà. Merde. Attendez, on va remettre le jour et puis on y va. Toi, tu nous donnes ta peau. On dirait que je commence à vendre aussi un peu toutes les merdes qu'on a parce que c'est vrai qu'on a entassé beaucoup de choses. Faudrait qu'on le fasse. Et puis évidemment, bonjour YouTube, bienvenue pour un nouvel épisode. On va aller s'occuper de Kalisset, du coup. Pour la pure déglingue. Sur les hauteurs. Elle doit vivre avec des hyènes, hein. Dans ces zones-là, on a vu qu'il y en avait pas mal, donc elle doit vivre avec les hyènes, j'imagine. Ça doit être un... C'est peut-être bien un repère de hyènes. Ouais, la route, elle est un peu sur la droite. Bon, là, voilà, la route, elle est là. Elle est face à nous. On voit que, oui, qu'il y a des chemins. Cible localisée. Ah, il doit y avoir peut-être la hyène spéciale, non? C'est pas un repère de hyène? Ou c'est juste vraiment son truc? Ça, c'est mon aigle. Il n'y a pas une hyène spéciale là? Parce que le. Non, si, il y a forcément une hyène spéciale. Le lieu, il n'est pas là pour ça. Bien sûr.
Il est où l'animal? Une. Ah mais il y a une entrée là non? Ah non peut-être pas. Quoique. Non. C'est juste du décor. Il est où l'animal spécial là? Ah mais ouais non je sais pas ouais. En vrai je sais pas où il est l'animal spécial là, il est pas censé avoir un animal un peu boss là. Avant que ça soit le truc. Bah non, c'est le truc niveau 22 en fait. Pourquoi aurait-elle enfermé un de ses loyaux serviteurs? C'est la tanière de la hyène. Il n'y a aucune trace de Calicette. Pour une fois, Mered ne m'a pas menti. Il faut que je découvre où elle est partie. Ça fait le stock de poules hein, pour le coup. Ah. Qui hurle? Non, ne la laisse ah. Pas m'emmener. Il... Medjay, merci de ta pitié. La hyène, où est-elle? Je ne sais pas. Il ne reste plus que moi. Elle a emmené les autres il y a plusieurs heures. Elle les a emmenés où? Elle va les tuer! Je le sais! Elle... Ses mains! Par les dieux! Elle a tant de sang sur les mains! Calme-toi, mon ami. Tu es libre. Je me charge de Calicette. Où Calicette emmène ses captifs? Et pourquoi? Attendez, je veux juste le coffre, après on va enquêter. Bizarre qu'il y en ait une d'enfermée. Le tombeau de Khéops. Elle a indiqué chaque fissure. Elle n'a pas terminé. C'est là que je la trouverai. Je vais aller vers les pyramides. Très bien. On va peut-être se TP du coup, hein, si elle est à Khéops, ouais.